fonction de la menace RPG, pas Légèrement. RPG, à la rigueur, je te demanderai de reculer. Quoi Bon, qu'il arrive, il y a un filtre c'est sur d'ordre l'image, qui se excusez-moi. discute pas. Oui, c'est normal, comme Voilà, d'habitude, le le reste, filtre. Ah, comme dit excusez-moi, Yachtou, j'étais en train on de est filer, ouvert excusez-moi. aux propositions, sachant qu'on n'aura pas les mêmes visuels et qu'éventuellement, tu dis ce que tu vois et ce que tu veux. Ok, de leader à Frisbee et Mystery ou quels que soient vos noms, je vous laisse un peu de temps pour vous organiser, je jette un œil. Je te communiquerai ça en cas de place, en fonction de l'occasion. Je sais pas comment on peut avancer, mais j'ai pas mal de chemin à faire avec la personne que nous. Comment ça? Bah, tu peux. J'ai pas envie d'avancer Ah non, non, mais on va rester autour de lui, l'idée étant que vous restez groupé sans autour de lui. observer dans un Toi, tu parlais cas de moi, déposé je assez t'ai souvent. coupé. Ah non, toi et Nab. Surtout pour l'infanterie, on check Clairement. toutes les hauteurs et voilà, on On fait va des petits gérer ça. bonds, on s'arrête, mais il faut 5-10 Oui, secondes bien quoi, sûr, bien juste sûr. histoire de bien regarder tout autour. Et on démarre. Mais vaut mieux Plus pas on est couper calme, comme ça. plus. Histoire d'avancer quand même assez vite, mais bien être au courant de ce qu'on a autour. Voilà, l'idée est de rester groupé autour de la MG parce que c'est ça qui va faire le plus de tout. Ouais. Bah toi, pas de se groupé parce que je vais Voilà, aller. donc ce qu'on Voilà. peut faire. Non, mais je pense que tu peux juste Le quitter reste va le. sur checker sur l'avant, au fond du tour sur la gauche et regarder pour nous sur la droite. Ici Luciole, nous sommes prêts à partir. C'est reçu. Oh putain, Luciole! Luciole. Ok, regarde la topographie, là, bordel. Y'a tout le monde autour du BMD? Autour du Aucun. BMD, sont Pas tout le monde. combien? Oui, désolé. Tu sais pas ce qu'il y a Je toujours derrière ton bed. Je croyais qu'il y en avait qui venaient. Ok, deux leaders à Luciole. Luciol, j'écoute. C'est bien toi que je comptais déplacer sur la gauche du dispositif, hein. Moi j'étais resté sur la droite du dispositif, chef. Ok, tu vas te déplacer sur la gauche, c'est-à-dire sur l'est, d'accord? C'est reçu ça? Perçu, chef. Je voudrais que tu bouges en 0,44. 0,28 sur le point 2309 en passant par Anna. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Frelon pour commandement, on est prêt. 044 028 point 2309, confirmé. C'est bien ça, mais en passant par Anna hein, surtout. Et j'ai pas de GPS donc je pourrais pas être très très précis. Hein. C'est dans la cuvette juste avant là sur le sur la gauche de la petite colline dont je t'ai parlé. C'est reçu, Frelon. Et pour Lucien, on va partir. Ok, c'est reçu. Frelon, tu me reçois? Merci. Ok, Frelon, je voudrais que tu avances en 0,43, 0,29. Tu restes en fond de vallée et tu feras attention à ton flanc avant-droit. Roger. Donc pour votre info, j'ai un départ de feu entre...
dans la zone Boris. Je sais pas où exactement, mais sur l'ouest de la vallée. Et un départ de feu sur le secteur Hector, sommet de colline. Ils sont déjà en train de se tirer dessus? Non, excuse, je me suis mal exprimé. De feu de camp, fumée de feu de camp. Bien reçu. Avec bunker. Pour Frelon d'ailleurs. Frelon, écoute. Si tu regardes vers le sud, est-ce que tu arrives à voir est-ce que ton blindé arrive à voir le feu de camp qui est sur Hector, aux environs d'Hector? Il y a un feu de camp et un peu plus sur la droite, il y a une position fortifiée. Est-ce qu'il arriverait à les voir et à faire un tir dessus s'il fallait? Patientez. Sur l'avant, apparemment. Il est sur le pont commandement. Ouais. Avons effectivement repéré une tour ainsi qu'un feu avec un personnel armé sur Shark Chengwell. Shark Chengwell, c'est. Ah oui, c'est la colline là. Ok, reçu. C'est quelle colline ça, putain, sa mère. Vous restez en place pour l'instant. Bon, ils sont continus. Frelon pour commandement. Ouais. Aucun visuel sur le feu de camp depuis notre position avec le blindé, on essaie de se redéplacer un petit peu. C'est reçu. Frelon pour commandement visuel sur patrouille flanc droit. Autorisation d'engager le feu. Ouais, vas-y, vas-y. Ils vont passer derrière la colline, on pourra finir. De toute façon, la discrétion, on va pas l'avoir longtemps, donc. Leader, Luciol, t'en es où là? Ici Luciol, on est quasiment sur Anna. Avons repéré des sacs de sable ainsi qu'une MG fixe au nord de Shark Chengwell. Tu parles du sommet de la montagne ou de la vallée? Sommet de la montagne, tout en haut de la crête. Ok, engage au plus vite alors, Luciol. Frelon pour commandement, on s'est fait engager de notre endroit, on essaie de se déplacer, de déplacer le blindé pour traiter terminé. Reçu, ouais. Tetch, essaie de te déplacer légèrement sur ta gauche, t'as un petit dénivelé, t'as le commandant au pied d'un sapin, essaie de le dépasser et de voir si tu peux reprendre contact sur la patrouille sur la droite terminée. Si Lucio a engagé des contacts sur la colline à l'ouest. Oh, c'est pas bon. Lucio, ça va? Tu te déplaces sur gauche, au fond de la vallée, et tu essaies de couvrir le flanc droit et prendre visuel sur le flanc droit de la colline. Nous
t'en occupez pas, hein, vous gardez votre... Enfin, Vendredi, tu peux t'occuper de l'arrière, c'est tout. On subit des pertes du char et nous faisons engager par le sud. Frisbee ? Oui ? Sur l'ouest, sur les hauteurs, sur l'ouest, là, t'as un feu de camp et ça doit être là que tu t'es fait engager. Ouais, 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 si ouais, tu ouais, peux ouais. Là-bas. Ah, je sais, merci. C'est en cours. Stop, Seth, stop. Flanc droit. Ici, on le répète. Notre char vient d'exploser, probablement un mort, ouais un mort. Ils nous ont fait engager du sud par de l'infanterie, ils sont en train de nous déployer pour répliquer. Et de leader à Frollo. Si c'est chaud, tu te recules un peu. Hein. Actuellement, on traîne un assaut sur Boris. Qui a reçu Frelon. Parlez. Dès que tu peux, Frelon, essaie de te décaler au moins tes hommes sur le sud-est. Tu montes un peu, t'auras un bon visuel sur l'ouest. Pour Luciole. Luciole, j'écoute. Tu sais comment t'as perdu ton blindé? Négatif, probablement un missile parce qu'on a rien vu passer et ça a fait des gros booms à côté de notre char. Ok, reçu pour fond. Pas mort, petit salaud. Je pense que c'est la tour, Froggy. Ouais. Un rocher, un trou, un rocher. Troisième rocher, de sable, fixe. On y tient pour des cartes légèrement de gauche. Ouais, moi, ma position, je mon arme si tu veux. Et non, y'a pas de traçante. À gauche, ça devrait être encore mieux. Voilà. Là, je vois. Et je peux pas poser mon flingue. Ça va pas être facile. J'engage quand même. Ok, ou... Luciole. Si Luciole, j'écoute. C'est comment sur Boris là, On a pris position sur les sacs de sable, zone sécurisée sous couverture, et j'ai réarmé mes deux personnels véhicules avec une MG et un lance-grenade pour que ça récupère de la puissance de feu qu'on a perdu. Et par contre, on a perdu la charge qui était dans le blindé aussi. Ok, reçu.
Essaye de commencer à avancer tout doucement vers la crête suivante entre Boris et Chariton et de prendre la visuelle sur ce qu'il y a de l'autre côté. Bien reçu. Ok pour Frelon. Parlez. Ok pour l'instant tu maintiens ta position, elle est pas trop dégueulasse, je veux surtout que tu me checkes tout le flanc ouest, toutes les collines et les montagnes qui sont sur l'ouest et l'avant. Bien pris. Ami, ami, ami. Juste avant de passer la crête, on se déplore en ligne. Ceux qui sont à gauche se mettent à gauche de Thierry et ceux qui sont à droite se mettent à droite de Football. Mauvaise radio, Mister. Non, merci. Merde, RPG. Frelon, ton commandement. Ouais, j'écoute. Première position à l'ouest traité, on continue d'avancer vers le sud. Fais attention Frelon, t'es pas loin de moi et depuis mon 210, assez loin, j'ai toute une équipe d'hommes avec RPG, fais gaffe. A priori quelque part au 210 équipe d'hommes avec RPG. Ouais assez loin mais tu devrais les voir. Tu vois ah, le frisbee, okay. Le tas de... tu vois le tas de Mettez-vous en ligne déploiement. Tu vois le tas de caillasse qu'on a en 210 là-bas? Avec attends, de la fumée même. Distance à peu près. Vu. Dans ce secteur là t'as du monde avec RPG et tout le bordel. Donc fais gaffe avec ton blindé. Ouais mais ça fait un peu loin pour eux, non? Ouais ça fait loin, mais je te préviens quoi. Ok ça roule. D'ailleurs, il est où ce feu sur carte? Tu m'entends? Luciole? Alors, Luciole, j'écoute. Je crois apercevoir un feu de camp quelque part au nord-est de Foxtrot. Est-ce que tu confirmes? Attends, je me positionne sur ma crête et je te rappelle. Ça tire en 200-210 là. Ouais, c'est nos gugus qui ont passé la crête sur le flanc gauche. Il y a une blindée qui vient nous soutenir. N'hésitez pas à rejeter un œil de temps en temps à droite. Ok, distance là je dirais pas si loin que ça, je dirais 600, 500, 600 mètres. Ah non, toujours au même endroit? Ouais, toujours au même endroit, mais ouais, carrément. Ah, je crois que justement il y a l'autre groupe qui est en train de s'en charger, donc c'est nickel s'ils arrivent à se les fumer. Écartez-vous de ces arbres, on va faire les bûcherons. Couvert. Ouais. Attention, on prend des tirs. Décalez-vous derrière le BDM. Ah, ici Luciole, j'écoute pour commandement. Ouais Luciole, les mecs que t'as engagés là, ils ont un feu de camp sur eux. Confirmé, sac de sable et bidon d'eau. Qui est reçu. Justement, je voulais qu'on bourrine dessus parce que il y avait des RPG sur le point.
Ça, je tenais à position, vous avez un excellent visuel sur toute la vallée, hein. Tenez là. Allez, on reste ici. C'est un RPG qui venait claquer en face de nous. Commandement. Ouais. On continue avec l'infanterie à pied, le BMD sur notre dernière position et couvre toute la vallée, il a un excellent visuel, terminé. C'est parfait, continuez, mettez-vous au moins au niveau de Luciole pour info, ils sont sur la crête entre Boris et Chariton. Bien pris, on conserve pour l'instant le fond de la vallée, terminé. Ok, bien pris, Frangy, arrière droit. Luciol, essaye de me checker le haut de la montagne en 250, je crois que ça doit être 250 par rapport à toi, on a des mecs qui déboulent sur le haut sud-ouest. Confirmé visuel, en train d'engager, ça me paraît bien loin. Essaye au moins de les fixer un petit moment, t'es pas obligé de dépenser toutes tes cartouches pour ça. Sinon, Frelon est en train de les engager au char. Bah très bien. Est-ce que Luciol vous avez des traçantes dans votre équipe ou pas? Oh le bruit. Pas spécialement de traçantes dans l'équipe chef. Reçu. Et pour Frelon. Parlez. Dis à ton blindé en priorité de surveiller toutes les crêtes, les collines sur la droite pour voir s'il n'y a pas des gens qui nous déboulent de temps en temps dessus. L'infanterie, on va essayer de se focaliser sur ce qu'il y a dans la vallée. Merci. Ok, bon, on est où et on va où? Ok, pour trop long. Parlez. Ton groupe d'infanterie, le problème c'est que ça va t'éloigner de ton blindé, mais avec ton groupe d'infanterie, si tu pouvais avancer, prendre position sur la position fortifiée au nord-est de Foxtrot, ça serait idéal. Il faut Frelon et que ton blindé il s'éloigne et que tu l'appuies en communication radio, fais-le avancer sur la position de Luciol entre Boris et Chariton. Luciol, comment ça se passe? Luciol, situation calme, on a encore quelques contacts très loin mais c'est difficilement engageable avec notre armement. Ok,
Ok Luciol, tu vois le feu de camp sur Hector, il y a encore au moins une unité dans le coin et il faut essayer de checker visuellement la fortification qui est un peu plus haut. Est-ce que tu peux faire ça? Je vois effectivement les unités et le feu de camp, mais c'est impossible de tirer jusque là-bas. Ok, c'est reçu. Frelon? Frelon, tu me reçois? Parler. Je confirme, Frelon, fais avancer ton blindé au niveau de Luciole pour qu'il puisse faire du tir sur Hector. Et Frelon, dis à ton blindé qu'il a du contact sur les crêtes à son ouest, là, sur l'ancienne position fortifiée que vous venez de nettoyer. Luciole! Écoute. Je sais que c'est loin, mais est-ce que tu peux me faire un court tir de suppression sur les positions fortifiées en 040, 030, 040, 030? Bien reçu. Frelon en déplacement. Ici Luciol, je pense qu'on a meilleur axe pour attaquer le point que vous essayez de prendre là. Soutenez-les Luciol, soutenez-les. On peut pas, le truc il leur tire dessus derrière un caillou, mais si je déplace de 200 mètres sur leur reste, ils seront à l'abri par le relief. De front qu'on demande plus de contact avec mon tireur. Il semblerait que les mecs soient sortis du char là. Je suis à proximité d'eux, je vais essayer de voir ce qu'il arrive. Ça va les gars, qu'est-ce qui vous arrive? On a Wilco qui blessé. Est en rade. Blessé? Non, plus que blessé apparemment. Bah blessé ou mort, mais on n'arrive pas. Le diagnostic. Non, il est déjà sorti, hein, Scarmuck. Non, il est décédé. Il est blessé? Et pour Frelon. Parlez. Je suis avec ton équipage, ils ont perdu le. Ah, il est mort.
Ouais, il est mort. Merci. Pas sentir. Vous pouvez vous démerder à deux? Ouais, ça devrait. Ouais, on devrait pouvoir. Oubliez pas sa radio, hein. On en a pas. On en avait pas. Y'a que moi qui l'ai. Fais gaffe, hein, on t'est exposé là. Expose-toi et re-rentre. Setch. Voilà, maintenant re-rentre. Attention, contact sur le flanc droit. Départ de coup sur le flanc droit pour le blindé. Je dégage. Recule. Ok, deux leaders à Frelon. Parlez. Ton blindé est parti, ils vont se démerder à deux. T'en es où toi exactement? Sur position HEA 2 minutes. Ok, reçu. Dis bien à ton blindé de toujours garder les crêtes sur le flanc gauche, sur le flanc droit en visuel. Bien pris, terminé. Luciole, ça va? T'es où là? Je crois que t'es à proximité. T'es... On est sur votre est, en haut de la colline là. Ah mais il y en a trois en fait. Alors ça c'est un cadavre, le mec est juste à côté. De Frelon à tout le monde, est-ce que quelqu'un peut me donner la position de la 12-7? Probablement derrière le rocher qui est devant vous là. Bon. Non, c'est pas. Attention, vous avez des 44 qui vous arrivent par votre sud-ouest. Je suis là, Mist. Oh putain, ils sont juste. Ça va mal se terminer là. Hein. En train de leur tirer juste au-dessus de leur tête. J'arrive pas à l'avoir le deuxième. Alors, bah remonte peut-être un peu, t'auras moins de, d'élévation, mais pas te dire beaucoup. Il est à 600 mètres, hein, il est à 600 mètres là, mais j'arrive pas à. 100 mètres. Je vois pas mon impact. Ah bah attends. Oh là là, il devrait flanquer parce que là ils arrivent de face. Mais ouais, c'est ça. Ce... Légèrement. Ah, je le joue moins, putain, ouais. Très léger. Hey. J'ai pas vu. Il pas de sèche, à droite. Vous avez des yeux bioniques, c'est pas possible. Ah, moi je vois pas. Eh hein. Ouais, ouais mec, regarde ça, ma paire de gros yeux, je les tiens dans mes mains là. Il bouge. Ah, tu l'as touché. Vas-y, vas-y, Mystérie, retire l'entité, c'était très bien. Mystérie, tu peux leur dire qu'ils sont trop courts pour leur grenade pour péter le, pour buter la maîtrise. Ah, il semblerait que ce soit un peu court pour les grenades apparemment. Ça y est, il est mort. Ah bon. Recharge, putain. En plus, il y a le soleil en plus dans la tronche. Ah. Mystery? Yes. Ouais. 215, t'as des mecs qui sont un peu loin pour l'instant, mais qui vont débouler sur l'avant de Frelon, garde-les en visu. 215 dans les bois. Ah ouais, là-bas, ouais. Super loin, ceux-là. Plus près dans le contrebas. Ah ouais, dans vu. La ok. Ah, on a encore un contact au nord-ouest là. Barnac? À ta gauche. Ah, arrêtez de bouger partout, j'ai du mal à suivre. Derrière à gauche. Moi ouais, je me suis redéployé sur le 215. Il se cache derrière des buissons en plus, j'hallucine. alors il y a des contacts au 215, putain ils sont où? Il est tombé je crois, Mystery je crois, non? Ah, sérieux? Qui? Non, il est debout. J'en ai un deuxième, 20 mètres plus au nord derrière le rocher, entre le rocher et le début du bout. Ah ouais. J'arrive pas à l'avoir celui-là. En plus, il a un RPG lui. Oui. Attends, j'ai une lunette. On est où exactement là, Mystery? Je sais pas moi. Ah, ça y est, ils mettent aussi. Sur ta phase 2 là, au niveau de la crête, au sud-ouest de Boris, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à les avoir, c'est chaud. De monter jusqu'ici quoi. Eh? Ah bah non, ils les soutiennent bien là en fait. Frelon, connement, position investie, sécurisée. Ok,
très bien, soufflez un coup, prenez position, faites gaffe, il y a peut-être des mecs qui arrivent sur vous depuis le sud. Bien pris. Volons, essaie de monter, faire monter ton blindé sur notre position, là, on est plus à son sud-est. Mais qu'est-ce que c'est que tu engages là? Il est couché là. Non, non. Plus à droite là. Là, les gens s'est mis auto quoi. Le concept. Non, je l'aurais pas, je l'aurais peut-être, mais je vais plus avoir de mini. C'est mini ou c'est alors, regarde, il est dans le temps. Ça commence à fuser à mort. Il m'en reste. Il me reste 3 bandes en tout. Il y a des chiottes pour Frelan. Vous pouvez direct indiquer à votre char qu'il a un lanceur RPG sur la crête qui a son 330. Sans viseur, vous arrivez de leader pour Frelon, attention au contact qui déboule par l'ouest, au sommet de la crête, sur votre ouest, nord-ouest. Bien pris. J'ai posé mon casque. Il est où, football? Il est là. Enlever mon truc là qui me couvrait les oreilles, ça me saoule. Évidemment. Y'a rien là-bas. Je les range. Mystery? Yes. T'as rien vu sur tout ce qui est sud-est? Bah non, rien de spécial. À part Hector? Ouais, là-bas, mais c'est super loin. Ok, reçu. Je pense que si tu veux qu'on avance, soit on va sur la crête au 200 là, soit on va au fond de la vallée. Hein, je pense que tu vas aller sur la position de frisbee, comme ça il y aura plus de monde pour tenir tous les secteurs. Ok. Donc t'avances sur sa position et vous vous répartirez, je pense que Frisbee prendra le sud-est, toi tu prendras le nord-ouest. Ok. Ça marche ? Ok. Les gars, en colonne derrière moi, on part sud-ouest. Ok, de leader à Frelon. Parlez. Je fais avancer Luciole sur votre colonne, position, hein. Comme ça vous serez tous paquets, vous pourrez tenir tous les secteurs depuis la position fortifiée. Répétez. Je vais venir Luciole sur votre position. Bien pris. Je vois la tête sur le dos. Ouais. Je peux la créer, t'as vu quoi fait? Non. T'as des lunettes? Écoute, je t'entends super bien. Affirmatif. Et les mecs dans le blindé? M'entendez? Oui. Oui. Contact sur la crête en 325. Bien pris. Sur votre arrière droit, sur votre arrière droit. Et sur notre arrière droit. Contact en 325 arrière droit. 25 arrière droit. À quel niveau il t'a dit? Non. Sommet de crête, sommet de crête. Sommet de crête. Ah oui, visuel, à côté du. Blindé. Qu'est-ce que vous avez fait? Poussez-vous les secteurs pour trouver la position et la fortifier. Pour votre info, je suis au niveau du blindé, je lui indique des cibles prioritaires. Attends, tu veux jouer en bas? C'est... attendez, bougez pas. Et vous m'entendez les gars? Sedge, tu m'entends? Oui, je t'entends, Cassia. Ok, j'ai une cible prioritaire pour toi là. D'accord. C'est fortification azimut 200 sommet de crête.
Je vois rien. Enfin, je vois les fortifications, mais il y a rien dessus, quoi. Tu vois le col. Ouais. Il y a des fortifications où il y a rien. Si tu remontes sur la gauche, t'as encore des fortifications sur le sommet. Et là, il y a une douche K, il y a des mecs isolés qui courent. D'accord. Alors, tu m'en veux pas, mais on va avancer un peu là. On va passer à droite du rocher et on va s'avancer un peu parce qu'on n'a pas le visuel. Ça marche. Mais c'est bizarre, moi je l'ai d'ici le visuel. Alors, tu m'as dit où ? Le col tout au fond là-bas ? Alors, tu vois le col ? Lequel ? Le col qui est en 205. Tout au fond, ouais. Le col en 205. Ouais. Tu remontes un peu sur la gauche, t'as une grosse caillasse grise là, la première. Juste au-dessus, t'as des fortifications, c'est pile en azimut 200. T'as des sacs de sable et t'as une douche K en plein milieu. Je sais pas, très très loin. Ok, Luciole, les frelons, vous voyez les explosions des obus du char ? Négatif. C'est quelque part aux alentours d'Hector, donc ça doit être sur votre sud. Ouais, vu. Bon, là, il y a une position fortifiée avec Douchka et il y a de l'infanterie qui tourne autour. Bon, là, je vous demande de rien faire, mais faites gaffe quand même. Merci. Bon, à coup, c'est un peu la galère, donc on va s'avancer. C'est limite, vraiment limite portée de tir. Ouais, attends, je te dis si t'as. Bah, la douche K a l'air d'être traitée là. Hein. Ok. Donc, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Reste pas au milieu par contre. Attends, j'aimerais pas t'écraser. Ok. Ouais, y'a plus personne sur la douche K, donc ça, c'est du bon boulot, les gars. Frisbee, t'es encore actif ? Pour information, j'ai été réquisitionné par Aku. Ce que tu vas pouvoir faire, Sage, c'est que tu vas pouvoir monter un petit peu plus vers le sud-est là et couvrir la vallée. Ouais, c'est ce que je comptais. C'est ce que m'avait demandé de faire à Frisbee, c'est pour ça que. Ouais, je lui avais dit ça avant de venir vous emmerder. Bon bah vas-y quand tu veux. Ok, en avant, Scarlock, tu passes à droite du caillou en face. Ok, pour Luciole et Frelon, je viens sur votre position et je laisse le blindé autonome Frisbee, tu reprends son commandement. De Frelon, bien pris. Allez, monte Feignasse. Attention, ami. Attention, ami. Mot de passe. Ami. Mot de passe. Je l'ai oublié. C'est bien, c'est ça. Oh, alors, Blindé va avoir une couverture sur toute la vallée. Je pense qu'on va pouvoir commencer à avancer. Vous allez avancer à pied. On est où là? Juste que je me repère Foxtrot ou Golf?
On est quelque part au nord-est de Foxtrot là. Ah, avant 42, c'est ce que je te disais. Putain, t'es trop fort. 2314, ah ouais. Là, tu vois le point 2314. 40-22. Ok, ok, 42, ouais. Ok. Il me croyait pas. Je sais pas, moi je suis à peu près. Bon. Alors, par où est-ce qu'on va y aller? Bah, on longe le relief et puis on grimpe, non? Ouais, vous êtes dans le coin là? Ouais. On va longer golf, une fois sur golf, plein sud vers le premier objectif. On garde la couverture du blindé. Là, le blindé il doit être où? Il doit être. Ah, ouais, c'est vrai qu'il va être super loin là, le blindé. Ouais, je vais perdre la radio. Je dirais qu'il est en 44-25 ton blindé. Déjà que j'ai eu du mal à leur faire traiter ce qu'il y avait sur Hector. Ça arrive par parcimonie là-bas au devin, on a traité encore un ou deux contacts, on tire la position. J'essaie juste de regarder s'il a pas des grenades pour moi. Fais gaffe à lui là. Hein. À la rigueur, ce qu'on va faire, un groupe va avancer sur Golf, un groupe va avancer sur Foxtrot. Une fois que c'est sécurisé, le blindé va prendre position entre les deux. T'as pas le problème ? Tant pis. Frisbee ? Qu'est-ce qui fait ça ? Je suis sûr on est sur un des deux, hein, parce que là c'est quand même bizarre. Frelon, on doit être sur Foxtrot. Hein. Oui, mais non, Foxtrot ça monte, on est en dessous. Frelon, tu prendras position sur... On va tous bouger sur Foxtrot. Une fois qu'on sera sur Foxtrot, Frelon, tu bougeras sur Golf. Une fois que tu seras sur Golf, le blindé avancera entre Foxtrot et Golf. C'est pris ça ou pas? Ok. Comme ça, le blindé, on pourra le mettre en couverture depuis Golf une fois que je ferai avancer Frelon vers l'objectif. Ok. C'est reçu, on fait comme ça. Du coup, on reste sur Foxtrot, c'est ça? On n'est pas sur Foxtrot. Ouais, toi, tu resteras sur Foxtrot, Mystery. Ok. T'ouvres la marche, Mystery, parce que FOSB, il a l'air perdu. Non, je pense qu'il croit qu'il veut qu'on soit sur Foxtrot. Je peux te défier les lois de la fille. Donc tu ouvres la marche sur Foxtrot, Frisbee tu suis, une fois qu'on sera sur Foxtrot, Frisbee tu bougeras sur Golf. Ça marche? Ouais. La Jocelyn. Ce que je te conseille de faire, Frisbee, c'est de prévenir ton blindé. Si t'arrives pas à lui faire un signal radio, il surveille quand t'es sur Golf pour venir sur sa position. Venez. Là, j'en ai ok, les gars, en colonne derrière moi, on part ouest, sud-ouest. Attends. Allez, Fug, voilà, arrête de faire du shopping. Non, je fais pas du shopping. Ah, si, je te vois des grenades. Regardez tous les cadavres. Bon, ils sont suivis. Ok, quelle direction? Les mecs devant. Ah, les gars, on bouge, pas ouest. Ouais, vas-y, tire à pro avant de partir s'il faut. À coup, Thierry, ouais, il a un petit problème, il a. On a pas de micro. Moi, il me faut des grenades pour mon grenade de tueur, c'est là. Il est on est parti. Oui, il est juste à ton est, micro. Dans le rocher. Ok, bah, je lui dirai où vous vous trouvez. Ok. Van West, c'est parti, Darnac. C'est pourri ça. On est sur Foxtrot à peu près. Ok, c'est reçu. Frelon, tu bouges sur Golf et tu fais bouger ton blindé. Lucien, on vient de bouffer une grenade à 50 mètres devant nous là. Ouais, j'ai entendu ça, je sais pas d'où ça vient les mecs, faites gaffe.
tout cas, ça vient pas de votre arrière, c'est certain. J'espère. Pour Frelon. Parlez. T'as reçu ma dernière com et les ordres? Annulez l'ordre, on a perdu un mec. Ok, reçu, restez en place sur Foxtrot. Restez ici les gars, restez ici pour l'instant. Hop, c'est bon, nickel. Donc pour info, tous les copains sont au sud-ouest là-bas sur le sommet. Ouais, je les ai, je les ai. Et ils viennent de perdre un homme, donc on stoppe la progression. Ok, voilà. Frelon pour commandant, on a perdu un mec. Impact, impact. Ouais, mais nous. C'est reçu, fais chier, restez en place pour l'instant. On a du tir lourd, mais on sait pas d'où ça vient. Mission à avoir repéré une MG Fitch, à 1140 de notre position sur la hauteur. Ah oh, putain, je l'ai. Ok Satch, tu check toute la crête Hector là que t'as en face de toi, là où tu viens de tirer, et tu bousilles tout ce qu'il y a. Il y a plein d'infanterie aussi, plus vers la droite. Je viens de sécher une douche quand même. Ouais, ouais, nickel. Écoute. Il y en a pas qu'une, il y a celle que t'avais fumée tout à l'heure. Essaye de scanner toute la crête pour voir. Ouais, je vais essayer de faire ça, mais pour l'instant j'ai un visuel pas mal sur le sud. C'est vraiment pour avoir le creux de la vallée. Bah dites les mecs, Thierry, il est avec qui là? Avec moi. Il est toujours à FK, ça c'est un peu abusé je trouve là par contre. Ouais bah rejoins-nous, laisse-le derrière, c'est pas grave. Sedge, contact 190. Ouais. Sedge. Oui. Contact 190 en contrebas, dans la vallée. 190 en contrebas dans la vallée, proche. Ah, j'ai pas assez d'angle. Ah putain, oui, avance. Sur la MG Fitch qui était sur la position où le tir était abattu. Ah, multiple contact infanterie sur la position, bon, on va éviter de gaspiller des balles. Il y a un RPG dans le haut. Il y a un RPG dans le haut. Ah ben, tu viens de finir un chargeur. Ok. Non, c'est... Frelon, t'as perdu un homme, donc vous êtes 3 là, c'est ça? Confirmé. Vous l'avez perdu dans quelles circonstances? En avançant sur Golf? Affirmatif, quand on a sorti le nez derrière le caillou, on a pris 2 greux, plein dans le nez. Ok, reçu. Lance-greux, il est au 210 de
la position. Ah, c'est carrément un lance-grenade. Je pense, ouais. 210 de la position, à peu près 1 km ou je sais pas si loin. Une fixe qui ressemble à un lance-gros. Le mec qui descend. Il se prend la tempête avec les deux. Il a PK des tanks. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez avancer sur Golf, mais en restant à l'abri côté est de Golf. On a beaucoup de contacts, enfin beaucoup, on a des contacts entre Hector et Golf qui sont en contrebas dans la vallée. Il faudra essayer de les empêcher de débouler plus au nord. Sedge, Sedge, tu m'entends? Oui. Essaie de nettoyer tout ce qu'il y a dans le col maintenant, en priorité, tout ce qu'il y a dans le col en 195. Ok. C'est séché ce que j'essaie de tirer. C'est 195 hein, c'est ce que tu tires. Bon, commandement, on est sur la position. Ok, nickel. Luciole. Écoute. Essaye de voir si tu peux commencer à t'exposer vers l'ouest en faisant gaffe au lance-grenade de suspensionner et de le spotter. Donc discrétion, allongée, tout le bordel. Tu veux qu'on avance vers l'ouest? T'es sur Foxtrot actuellement, c'est ça hein? Ouais, à peu près. Ouais, enfin vers le... Attends. Tu vois quoi de ta position Luciole là actuellement? T'es de quel côté et qu'est-ce que tu regardes? Je suis, on va dire, au sud-nord-est de Luciole, là, j'aperçois un grenade qui est tout en haut sur une colline, là. Sinon, mais plus grand-chose, plus de visuel sur Frollo, qui sont passés de l'autre côté. Ok, tu peux me donner la position du lance-grenade? Approximative. Je dois avouer que je suis un peu paumé, donc sincèrement je sais pas trop, j'ai envie de dire nord-ouest de Lima. Je dirais que le lance-grenade est en 34-12, secteur 9, tout en haut de la crête. À peu près. Hein. Il est là, à peu près. Hein. Je pense que c'est ça là-haut. Là. Ok, reçu derrière Lima quoi, tu dirais. Ah ouais, bien, ouais, il est très très loin là. Putain, fais chier. Il y a encore des mecs là-haut sur la crête en 190. Vous avez encore beaucoup de munitions dans le char ? Je dirais la moitié, je crois. Ok, comme ça, va. Sech moins de la moitié. Un peu moins. Au niveau des obus, vous
Putain, je suis complètement en train de bugger là les mecs, j'arrive pas à m'y retrouver. Je vais avancer sur Foxtrot pour avoir un visuel de l'autre côté parce que j'arrive plus à identifier moi aussi la topo là. Par contre je confirme ma dernière position là pour le lance-go, Mystery doit être bon. Hein. Ok c'est reçu. C'est juste que dans le col entre Ghost et Hector là, il y a une espèce de fortification avec des sacs de sable et tout le bordel, j'arrive pas à la positionner sur la carte cette merde. Je pas de visuel sur cette fortification. Luciol, déplace-toi sur Golf avec avec Frelon. Ok, mais Frelon, ils sont pas sur Golf, ils sont plus loin. Hein. Ah, ils sont où? Sur le pic qui est après, 100 mètres plus loin. À peu près en 38-17, je pense. Ok les gars, okay. Colonne derrière moi, on part sud. À coup, t'as pas pu récupérer Thierry? Ah bah y'a le chef là. Bah non, y'a AFK Thierry. AFK, ok. Putain, y'a bus quoi. Parce que là, si Foxtrot est là, y'a Golf qui est devant là, et eux ils sont sur le rocher qui est derrière. Ah ok, ils ont bien avancé alors. Bah alors, Golf c'était un peu pourri en fait, j'ai l'impression. Lance-la, en colonne derrière moi, ça veut pas dire devant. Je couvre mon chef. Ouais. Mais je préfère que je prenne la balle et que toi tu répliques. Excusez-moi. Oh, ça met l'ambiance, on a l'impression qu'il y a le vent qui souffle et tout, mais... Ouais, c'est bon. Ouais, je l'avais mis un peu dans l'axe devant la narine. Alors monte, hein. Ou pas, tu veux qu'on reste là? Allez, rejoins sur leur position, là. Je pense que c'est la meilleure position de la zone, là. Vas-y, vas-y. Oui. Où ça met? Ok, pour Frelon. Parlez. Actuellement, tu dois être quelque part en 038-017. 038-017, t'as avancé plus loin que Golf, on dirait. Ce qui serait bien, c'est que tu fasses venir ton blindé dans la zone. Ouais, fais-le avancer déjà, je te dirai où le placer. Ici, on arrive sur Frelon. La zone, mais ça veut dire quoi dans la zone? Quelle zone? Je sais pas, c'est Mystery qui t'a vu avancer, je sais pas exactement où t'es. J'ai rejoint les mecs de Frelon là. Attendez, je vous rejoins, on va tirer tout ça au clair les gars. Ok, contrebas là. Oula, j'ai pas de mystery. Arlac ? Là. Ah putain, il y avait le Messing. Ah, mais parfait, bah il est où Dranak ? Il est avec moi. Dranak sur le. Mais il est où ? C'est pas vrai ça. Restez là, restez là, c'est très bien. Dranak, 560 là, ici. Viens voir. Ça veut dire qu'on est à quoi, 400-500 mètres du lance-grenade là. Jocelyn ? Ouais. Il est où ? Redescends du rocher là. On a trouvé une meilleure position plus bas là. Ah oui, on va prendre un peu moins de risques. Ouais. Coucou Eldraine. Le gars à gauche là, y a. Oh putain, c'est risqué. Oui, c'est pas possible. Attends. Attends, tirez pas. On va positionner les deux MG là. Ah, mais Jocelyn. Azimut, juste 220. En haut, vous le voyez entre les sacs de sable? Ouais, tout en haut de la crête, là le pôle plus haut. Là tu serais déjà en position de danger. Alors attendez, on va vous estimer une petite distance. À vue de nez, entre 550 mètres, 600 mètres, je pense. Ok, Frisbee. Oui. Alors très exactement ici, t'es en position 038, 017, pavé 9. On tape plein sud. Attendez. Sud. Ouais, tout seul. Oh non, c'est encore lui. Bouge. Ouais, c'est le grenadier. Le grenadier plein sud. Félicien, la MG en 34-12 a été anéanti. Recule. Donc Frisbee.
Ouais, je t'écoute. Donc là, t'es à... Pas de nouvelles de ce lance-grenade suspect. 038 017 pavé d'âme. Ouais. Donc ce qui serait bien, c'est que tu ramènes ton blindé juste devant nous là. Passez pas trop la tête et couvrez tout ça. Oh. Tu continues plein sud, flanc gauche. C'était exactement l'idée que j'avais. Ah, je vois. Il est ce golf. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on s'organise. Donc t'as vu Mystery où on est là exactement? 038 017 pavé 9. Ouais, c'est ce que je vous avais dit. Vous êtes sûr qu'il y a un lance-grenade alors? C'est pas une MG. Ah bah ouais, ça a encore pété là. Dès qu'on a tiré sur la MG, on l'a eu et ça a explosé juste devant nous là. Il faut que t'essayes d'avertir le blindé qu'il y a une MG dans ce secteur là et qu'il la fume dès qu'il Non mais ils l'ont eu je crois. Non. Le lance-grenade? Non, toi t'as dit que t'as eu une MG. Oui, la MG qui était loin, je l'ai eu. Par contre, on a pris des grenades dès qu'on a avancé. T'es un lance-grenade, Mystery? J'étais persuadé que c'était un lance-grenade, ce truc-là. Bah, je pensais aussi, mais en fait, Mystery, je pensais que c'était un lance-grenade. On est à quoi? On est à... Alors, il y a combien? Non, j'ai pas de grenade. T'es un lance-grenade sans grenade? Oui, je sais. Oui, pareil, moi aussi. Matériel russe. Ouais, bah, Mystery, Frisbee, t'essaies de mettre ton blindé sur le coup. Tu le fais avancer tout doucement pour essayer d'avoir un visu sur le lance-grenade et le fumer en priorité, quoi. Attendez, là. Il y a un truc en 160 là. 160 je vois 160 en haut là, sur la crête. Derrière le buisson, je vois un truc fixe. Par hasard, vous avez pas vu. Vous l'avez pas tiré dessus avec le char si, tout à l'heure. Si, ça a été fumé ça normalement. Attends, je me Parce qu'il y en avait un autre juste à gauche qu'on a tué nous. Je me décale, je vais aller voir. Il y a un mec derrière le rocher en 160. Comment ça à 50 mètres là? Ouais, le rocher. Allez, le char il est vachement proche là. Ah mais il est beaucoup trop loin, oh là là, oui. Ouais. Ah, il est beaucoup trop avancé, Setch, du coup. Oh, joli tir. Le mec en 160, y'a personne sur la... Sur on l'a eu, je crois. 160, hein. Il est où, du coup, Setch? Il est sur l'avant gauche, là. Tu le vois en contrebas du... là où la greu a pété. Oh bah il est encore là lui. Ah wow. Bah, fais-le reculer là. Recule Seth, recule. Ah recule Seth, recule. Ah là, oh recule. Mais je sais même pas pourquoi j'ai besoin de lui dire, le mec il prend des tirs. Alors, déjà avant il se prenait des tirs de 12-7, il a pas eu la bonne idée de reculer. Ok, Hop là, pardon, Miski. Mystery. Oh putain. T'entends avec mon groupe, j'écoute. Mystery, tu nous fais avancer un petit peu plus bas là, on continue. Tu nous fais avancer jusqu'en 038 016 pavé 9 en passant sur le flanc droit de la colline. Frisbee va te suivire. Ah, on suit. Bon, on suit. On monte en haut de la crête là qui est devant nous. J'ai l'impression qu'il y a un mec allongé là-bas. En passant sur le flanc est. À droite des rochers. En passant sur le flanc est. On suit là. On suit. Les gars, derrière mon colonne, on entend derrière. Ouais. Ah, merde, attends, ils sont partis de l'autre côté. Oula! Attends les frisbees, ils vont me dépasser. Attends les, ils vont me dépasser. Panique. Panique à bord! Où est-ce qu'on va? Monsieur, on est parti, flanc est. Flanc est? Ouais, après, venez, ça doit être par là. Ça ouais, on les couvre. Allez, vas-y. Non, tire-leur au-dessus de la tête. Non, mais ça va pas. Ouais. Votre lance-grenade, c'est le truc en 215 là? Ouais. Parfait. Parce que si c'est le truc en 215, il n'y a plus qu'un cadavre pour tirer avec. Non, je confirme, c'était ça, je pense, au lance-greu. Mais après, ils sont quand même pris des tirs de grenade encore par après. Donc j'ai dû me gourer, ça devait être une douche quand même. Terminé. On suit Froggy. Ok, c'est reçu. Faites. Enfin, gardez bien l'esprit que je sais pas depuis quelques temps, les ennemis lancent beaucoup de grenades à main. Ici, Lucien, est-ce qu'on avance jusqu'au sac de sable qui sont plein sud? Bah, maintenant qu'il n'y a plus de lance-grenade, ouais. Bien reçu, Lucien, on est parti! C'est qui lui? C'est. Je sais pas. Ah, je suis un local. C'est le chef. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Un local. Je sais pas, c'est la guerre.
Bijou. Bijou. Donc l'idée c'est de prendre le. Sèche, statue. C'est de prendre le. Cours, cours. Les murets là. Oh, bordel. Je vais décaler à gauche et on va faire une ligne sur ma droite. Ah. Arde d'être beau ça. Très bien pris, on va vous dépasser et on va vous dire en face qu'il faut faire terminer. C'est bon, attention les gars, allez on avance, on avance. Je veux des grenades. Oh le monsieur. Oh il y a des beaux bunkers là-haut. Dépassez pas les sacs de sable. Mais c'est des fous. Bon avancez jusqu'au rocher du coup. Audio véhicule. Wow. Oh. Il a été traité ou pas? RPG sinon. On a un gars à terre. Il y a un amateur. Il va passer cette de sable. Il est aussi repli le terrain des sacs de sable. Oh bah du coup la situation est maîtrisée là. Arrêtez de tirer comme des fous là, il y a juste un conducteur qui se barre. Frelon, essaie de faire avancer ton blindé sur le flanc gauche là, qu'il soit sur notre sud-est. Jocelyn, mets-toi sur le petit caillou là à gauche. Non, non, couverture sud, couverture sud. Risby mort. Ah putain. D'accord, recule avec moi. J'ai kill, ils sont où mes mecs? On est là, chef. Nah, the fuck ball. On est là. Et Dranak, oh, y'a du fantassin mort, en là, 220 avec un DRPG aussi. Ah, feu, hein. Ah oui, feu. Chef, est-ce qu'on peut prendre position dans la jolie première maison là? Il y a folie de feu. Ouais, on voit le groupe de frisbee là-bas pour l'instant. Quoi? On voit le groupe de frisbee tant qu'on s'organise, toi tu restes ici. C'est même pas où ils sont le groupe de frisbee. Donne-moi des azimuts. Ils sont autour de toi. C'est juste qu'ils ont plus de frisbee. C'est que mes hommes là. Ouais. Ah, ils sont devant. Attendez, je passe. Oh putain. J'ai dit je passe. C'est clair. Bah oui, bah c'est fou. On dirait de monter dans la maison là qui est au sud-ouest là, la première. Prenez position sur la hauteur, là, ah là-haut, là. Je vois. Attention, les potes vont passer dessous. Mystery. Ouais. Jocelyn Dad, déplacez-vous sur la gauche du vallon là. Droit, là. Passe sur le canal, passe sur le canal 1, fais un appel au blindé, dis-lui de passer sur ton canal radio. Ah, ouais. J'ai traité. Mystery pour blindé, vous me recevez? Ouais, je suis. Ouais. Merci de passer canal 2 à partir de maintenant. Ah, elles sont cool tes lunettes à coup. Ok, c'est bon. Permets ça de se déployer, Mister. Quand on rétablisse les choses, t'as le contrôle du blindé comme ça. Ouais, en fait, j'ai le contrôle de toutes les troupes, quoi. Non, c'est pas assez. Le but, c'est pas que ça se termine comme ça, mais là, pour l'instant, je veux pas que le blindé soit isolé sans aucune com, quoi. Ok. Après, les deux mecs que t'as envoyés, bon, c'est pas grave, hein, s'ils crèvent. Tu veux qu'on reste en retrait, Mister, souvent. Faut que je fasse les comptes, là. On a plus frisbee. Avancez dans la maison, là. On va prendre position dans la maison, là, parce qu'on est pas bien placé. 4, 5. Okay. On avance dans la baraque, on va se positionner. Il y a toujours un moteur. T'as une grenade ici. T'en vois pas trop chaque bol là. Oh. Je te baraque et clear hein, si vous voulez. Allez, ouvre-toi. Ah non, c'est qui là? Lanceur, Jocelyn. Il a rien. T'as relancé un lanceur toi. Il a rien. Il a rien. Il y en a pas une seule. C'était tous sur les lanceurs. Ouais. Alors, à cause de ça, je préfère que tu prennes juste de bande. Sois léger, parce qu'on va beaucoup marcher encore. Y'a un contact azimut 220 sur la hauteur là. Jules. Fuckball, tu me reçois? Ok, tu vas rester sur ta position avec. Mystery. Dranak, tu dis à Fro. Ouais. On peut avancer là. Hein. Vous êtes 5 infanteries, toi tu vas prendre l'infanterie, moi je vais aller apporter une radio blindée, je vais diriger directement le blindé, ça marche? Très bien, ça me bat très bien ça. Tu regroupes tous les hommes sur ton canal 2. Bah, de toute façon, on a que deux radios. Hein. Tu préviens le blindé que j'arrive pour leur donner une radio longue portée. Ok. Ici, Mystery pour blindé. À part un frisbee, j'ai pas pu contacter le blindé. Eh les gars. Oui, Yaku. Je vais vous donner une radio longue portée, je vais vous diriger directement à partir de maintenant. D'accord. Je sors. Je la mets,
Je la mets. Normalement, vous devez l'avoir dans le. Je l'ai mis dans le cargo du blindé. Regarde si tu peux la prendre. C'est un sac à dos. C'est un sac à dos, ouais. Ok, c'est bon. Regarde si t'arrives à ouvrir l'interface. Oui. Ok, je vais aller en chercher une autre parce que j'en avais qu'une sur moi. Je vais aller en chercher une autre et j'entends contact avec vous. Ok. C'est canal 3. Ouais. Des sacs. Je peux en prendre une dans mes bras pour la porter. Ok, deux leaders, je dois avoir normalement Luciole. Luciole, tu me reçois? Je te reçois. Ok, tu remets tous les hommes, tu prends tout le monde sur ton commandement pour l'escouade. Je dois avoir le blindé aussi. Affirmatif. Ok, c'est nickel. Ah bon, on est en train de progresser tranquillement dans la ville, ça va. C'est pas un pick-up réglementaire ça? On rejoint Frogny plein sud. Ok, Setch, t'as un bon visuel pour couvrir le Lima de où t'es là? Non, on descend. Ouais. Pas extra, faudrait que je m'avance encore un peu. Ok, avance-toi encore un petit peu, tu prends un bon visuel pour essayer de couvrir la progression de l'infanterie dans la ville. Blindé en place pour couvrir la progression dans l'Ina. Impeccable, bien reçu. Je vais venir chercher les charges que vous avez normalement dans votre cargo. Aïe. Visual. Ouais. On a investi la première partie nord de Lima là. C'est reçu, continuez, sécurisez, essayez de me localiser la cache d'armes. Bon, on est en cours. Est-ce qu'on progresse sur la partie sud à coup, de Lima? Pour info, on a qu'une seule charge. Ouais, je l'ai prise. Ok. Ouais, c'est confirmé, Luciol. Continuez sur la partie sud de Lima. Fouillez bien tout, on sait jamais où est-ce qu'elle peut être planquée. Ah, mes hommes sont en train de fouiller. Luciol, aucune cache d'armes trouvée dans le premier pâté de maison. On va descendre sur le sud de Lima. T'es reçu. Ça bouge à gauche dans les cailloux. C'est allié. Je suis commandant, je suis Luciol pour commandant.
Avant de trouver la cage d'armes, partie nord de Luciole, mes hommes sont actuellement dessus, on sécurise la position. Ok, c'est bien reçu. Ils ont trouvé la première cache. Luciole ? J'écoute. Si tout est clair sur zone, moi je vais aller placer la charge. Vous pouvez commencer à avancer vers l'ouest, point 2409. Est-ce que c'est vu sur la carte ? 2409, bien reçu, on est parti. Vous y allez, vous prenez un visuel sur, sur Mike. Je vais faire suivre le blindé. Ok, Setch. J'ai tout entendu. Ouais, je vais te dire où te déplacer aussi. Tu m'entends là ? Ouais, je t'ai entendu, de toute manière je suis sur le canal 2 aussi de la courte. Ok, ouais, mais je vais te dire où est-ce que tu vas te déplacer. Tu vas te déplacer sur le point 2404 en contournant la ville par le sud. Tu fais attention à la zone rouge, d'accord ? 2404, ok, c'est reçu, mais après j'aurai plus aucun visuel. Hein. Sûr quoi, sûr ? Sur si tu veux que je couvre sur Mike ou un truc du genre. Bah ouais, tu pourras couvrir sur Mike de là, justement, non ? J'ai un doute. Moi aussi j'ai un gros doute, hein, parce qu'il y a le 2380. Voilà, okay. Il y a le 2380. D'accord. Si t'arrives pas à avoir de visu, tu te décaleras sur le 2402. 2402, ok. Ça devrait le faire, et puis si ça va pas, on adaptera, tu me tiens au courant et je trouverai une autre position. Tu fais gaffe par contre, moi je vais essayer de rester un peu sur l'arrière pour checker Hector pour qu'on se fasse pas prendre par derrière. Okay. Mais tu fais un peu attention, gaffe à tes flancs, et si ça chauffe, t'hésites pas à reculer derrière la colline. Ok, pas de problème. Allez, zou. Ok, pour Luciole. Luciole, j'écoute. Quand vous serez en position, le blindé sera sur votre secteur sud-est en couverture. J'ai bien reçu. Fermé sur la route qui est en 38-14 secteur 1. Répète. 38-14 secteur 1 au bout de la route. Merci impeccable, c'est ce que je voulais te demander. C'est ici. Ok. Il y a quoi là-dedans ? Putain, la casse. Bon. Faut que je me chie dessus. Explosif. Donc j'ai une formation d'explosif. Des trucs exacts. Ça m'énerve. 5 minutes. Ok, à tout, je cherche placer explosion 5 minutes. Merci. Pour Luciole. Luciole, tu me reçois ? Luciole, j'écoute. Quand
tu seras sur Mike si tu es pas déjà. Regarde si tu arrives à voir la caisse de ta position. Ah, on descend sur Mike parce que là on est sur la hauteur, on a un visuel plutôt sympathique. Non, non, ouais, je me suis peut-être mal exprimé. Depuis ta position, essaie de voir si tu vois la caisse dans Mike. Les gars, vous êtes là? C'est quoi cette clé de merde? Mais dégage! Oh non, sérieux. Pourquoi ils viennent dire qu'ils sont pas buggés les rochers? Engageons actuellement des contacts sur Mike. C'est reçu. Regardez comment ça se passe pour vous, Setch. On a un relativement bon visuel sur tout ce qui est gauche de Mike, mais droite, comme prédit, on a le point 2000 et des brouettes qui nous bloquent la vue, surtout qu'il y a un gros caillou dessus. Ok, c'est reçu. Déjà, de votre position, est-ce que vous avez réussi à percevoir une caisse ou pas dans le secteur? Alors, on a un espèce de truc marron, on sait pas tellement si c'est la caisse, mais on voit un truc marron. A priori, ça devrait ressembler à une caisse de la taille d'un UAZ avec un filet de camouflage dessus. Non, le plus petit qu'un UAZ. La caisse est en 28-12, secteur 9 sur la route. Ok, c'est bien reçu. Seth, je me confirme, t'as un visu sur la partie ouest de la ville, c'est ça? Ouais. Ok, tu vas rester en place et tu vas garder ce visuel. Si tu veux te décaler ou trouver une meilleure position, tu peux, mais je veux que t'aies un visuel sur cette partie ouest de la ville et tout ce qui pourrait débouler de la route qui part vers l'ouest de Mike. C'est reçu? Bien reçu. Pour Luciol. J'écoute. Je suis juste derrière vous là. Si c'est traité et que tu penses qu'on peut commencer à avancer vers Mike, on avance. Sinon, tu me le dis. Oh, bon, là on peut descendre. On a vu 2-3 mecs qui couraient. On leur a fait peur avec les MG. C'est calme. Ok, alors on avance, on sécurise. Attention, j'ai du départ de coup sur l'ouest. Bien reçu. J'en ai marre, ce putain de rocher bugué. Ok, Luciol, attention, je suis sur votre flanc gauche. Bien reçu, on a vu passer le char, on est en train de descendre sur le village. Putain, c'est une petite baraque isolée ça.
Tu sais quoi, Luciole, si t'as un visu sur la caisse, même pas besoin d'investiguer, reste à distance et balance du RPG sur la, dessus. Ah, on va peut-être plus rester là-haut. Ok, bien reçu. Ça sert à rien d'aller sécuriser au final si c'est pour faire ça. Miami. Ne tire pas dessus. Ami, ami, ami. Ok, le tir en RPG va être un peu compliqué sans optique, donc on va se rapprocher. Ça marche. T'en arrives. Les gars, on descend. Let's go. Il y a quelque chose qui tape. Allez. C'est Jocelyn qui tape. Il tape du pied. Fais gaffe, ouais. Technical, Technical qui vient sur la route depuis le ouest-ouest, attention. Deuxième technical sur l'ouest. Troisième. Luciol, ça va? Ah ouais, nous on prend le thé, on attend. Il y a un technical armé qui est sur l'entrée ouest de la ville, en stationnaire. De blindé, j'ai plus de visuel dessus. Il est caché derrière un bâtiment. Ok, il bouge petit à petit. Luciol, s'il restait planqué, si pas de solution de tir. On va le traiter. Ok, bien joué. Ok, Luciol, fortifié, je serais pas étonné qu'on se trouve avec d'autres merdes sur la gueule. Merci. Bon, ça se calme, allez-y, faites péter. Setch, vous avez pas de visu sur la caisse là pour l'instant? Si on pouvait nous balancer une fumée aux alentours de la caisse, ça pourrait nous faire une idée de ce qu'on peut toucher ou pas. Ok, Luciol, fais les deux, balance une fumée et prépare-toi à tirer une roquette. Ou alors? Va falloir qu'on en tire une deuxième parce que c'est pas très crédible. Bon, laisse tomber, Satch, ils vont s'en charger. Ok. Ah, il semblerait que la caisse soit détruite parce qu'elle est en train de faire du Twix dans le sol. On a plus de visuel, elle s'est cachée derrière la maison. Ok, Satch, vous êtes où actuellement là? Nous sommes actuellement en 0 31-009 secteur 5. Reçu.
Ok, Luciole et Setch. Setch, tu vas sur une autre couverture. Luciole, tu te replies sur le baraquement 033 008 033 008 sur le sud-est de Mike. C'est reçu. 033 08 sud-est. Est-ce qu'on peut y aller directement ou on a besoin d'une couverture? Tu vas voir la couverture du blindé, elle est dans le même secteur. Et vous confirmez que la caisse a été détruite du coup? Ah bah j'en sais rien, écoute, si elle a bugué, moi je considère qu'elle est détruite. Hein. On peut aller jeter un oeil, il y en a pour 50 mètres à faire. Ouais, vas-y, assure-toi que la caisse est clear et tu me tiens au courant. Ah, que la caisse est clear, que la caisse est détruite. Et ici du Siol, on est en train de se replier sud-est sur le campong. Ok, c'est bien reçu. Sage, tu gardes un œil sur eux et une fois qu'ils sont en sécurité, c'est pareil, tu reboucles sur le campong. Bien reçu. Bordel de merde. Oh putain, ils étaient encore 6. Waouh, je sais pas compter en fait, vous étiez pas 5, vous étiez 7, Luciole. Ouais, 3 binômes. Ok, ok, bon bah tant mieux, je pensais que vous étiez moins que ça. Un peu deg d'avoir perdu mon blindé au bout de 2 minutes quand même. Ouais, je sais, ouais, ouais. On décroche, hein, la Luciole, vous occupez pas des tirs, vous... Setch, tu t'occupes de la couverture. On a des tirs qui viennent depuis quelque part, je sais pas où. Ouais, j'entends ça, mais j'ai pas de visuel. Sud-est 140. On fait péter la maison, c'est ça? Non, on sécurise la maison, on prend position. Ah. Prépare un thé pour le chef. Non, les Russes, ça boit quoi? Prépare une vodka pour le chef. D'accord, vodka. On the rocket. Ah putain de buisson. Bon, bon, on aura fini cette mission. Ah bah, c'était déjà tout peut-être. Oh, c'est beau, c'est beau. Pouf. Alors est-ce qu'il y a des poules encore? Non. Ouh. Y'a pas de chèvre non plus. Pas de chèvre. Ok, Seth, tu peux te replier toi aussi à ton tour. On va fortifier ici, voir si ça arrive. Et on considérera la mission comme accomplie. On peut monter sur le toit ou pas? Je vais voir s'il y a du vodka. Je crois non. Pas celle-là. Je crois si. Pas celle-là. Si. L'MG est sur le toit, couvré partout, tout azimut. Ah, surtout le nord-ouest. Surtout le nord-ouest.
Faites à l'MG. Bizarre à l'idée d'être comme escouade, 3 MG, 2 médics. C'est clair. C'est la première fois que j'en ai une comme ça. Hein. Le char qui arrive. Qu'est-ce qui se passe, chef camarade? La vodka du chef est prêt? C'est prêt, c'est prêt, c'est au niveau du réservoir, deuxième pièce à droite. Ok. Parc arrive sur le village. J'ai préparé 50 litres de vodka avec de la bonne patate d'ici. Ah, il va bien falloir ça pour que le char redémarre là. La bonne patate. Et où votre char là? J'ai rajouté une spéciale. Oh, j'ai mis plein de bruit d'accord. Il y a plein de bruit là-bas. Chef, chef, chef. Le char il est mort. On est en 20, 20, en haut là. Il nous arrive dessus. 20, plein. Feu à volonté, feu, feu, feu. Attends, mettez-les en position d'abord. Bah, ils sont en position, ils sont sur le toit là. Et il y a 3 MJ. C'est pas une position ça, sans déconner. Oh bordel quoi. Le moment où on finit la position. Là, j'ai fait ça. Ok, c'est bien ça. Y'en a encore les gars, y'en a encore. Putain, ils sortent les RPG. Aujourd'hui, les Russes, on va manger du Mujahideen au pitel. Et cessez le feu là, y'a plus de mecs vivants là. Oh! Écoute, j'ai traité 3 contacts je crois. Personne n'a été touché. Ok, c'est reçu. Repliez-vous avec nous sur le campagne 033-008. Ça va sur le toit, vous avez pas pris de balles? Non, eux par contre. Allo? On est dessus! Allo? Ben je vous ai plongé. Je pense qu'ici elle prend pas sur votre billet. On voit, c'est joli les canons à regarder. Ah ouais, non, mais c'était magnifique surtout la pluie de balles. Laissez, voilà, voilà. On est au sud par rapport à eux. Ouais, je confirme, tu t'es planté d'un campement. On est au sud, une petite maison à votre sud. En ruine. On est où on vient? Ah. Oh non, on est trop bien là sur la maison. Là, regarde, ils sont magnifiques. Non, on est trop bien, on est trop bien.